ночь. Это Фелиса. Министр конвочи. Рафара де ми трабайо. Интерес. Коносвидантес. Mais je continue en français. Voilà. Bien sûr que je suis très, très, très heureux d'être là et c'était formidable. J'étais déjà à l'université, ici, à Belo Horizonte, il y a 2 ans. C'était le point de départ d'un travail sérieux et d'une amitié solide. Ce dont je vais parler aujourd'hui concerne mon travail de thérapeute. Travail que je n'aurais pas pu faire, que je n'aurais pas pu mener à bien si je n'avais pas aussi rencontré les questions anthropologiques. Lesquelles questions anthropologiques m'accompagnent depuis très longtemps. Depuis le début des années 1980, vous voyez, je suis plutôt jeune, parce que j'avais décidé, j'étais encore un gamin presque, de faire mon premier stage en Afrique, à Dakar. Et les premières personnes que j'ai essayé d'écouter et de soigner étaient des Africains et des Africaines, dans cette grande ville de Dakar. Alors depuis, j'ai vieilli, évidemment, ça, c'est inévitable. Et j'ai deux lieux d'exercice dont je vais parler un peu parce que ce que je vais vous dire est tiré de cette pratique, vient de là. Alors d'une part, l'hôpital psychiatrique adulte dans la banlieue de Paris, qui est un très grand hôpital, enfin beaucoup de monde y travaille, quoi, qui est l'hôpital de Villévrard, où je reçois des malades psychiatriques, mais où également on s'intéresse pas que à la folie, voilà, on s'intéresse à la souffrance psychique, liée à l'exclusion. Donc j'ai mis en place, avec des camarades, psychologues, médecins, une équipe qui s'appelle Psychiatrie et Précarité. Là. Et j'ai pu le faire aussi parce que j'ai travaillé dans les SAMU sociaux, dans ce qu'on appelle, je vais vous expliquer ce que cela est, les maraudes psy. Du SAMU social, c'est-à-dire que la nuit, on peut aller dans la rue, parler avec les gens exclus, qui sont de plus en plus jeunes, hein, et qui présentent des délires, des hallucinations, et des conduites dangereuses, pour autrui parfois, et pour elles-mêmes souvent. Ça, c'est le premier lieu, l'hôpital psychiatrique. Ça. Et le deuxième lieu dont je vais parler, peut-être un peu moins, et plutôt vers la fin. C'est un travail que je mène en Afrique depuis 2000, j'y suis donc retourné 20 ans après, pour m'occuper des enfants et surtout des adolescents qui sont en danger dans la rue. Et comme les deux pays d'Afrique où j'ai travaillé, où j'ai mis en place une équipe avec mes collègues de là-bas, hein, ces deux pays sont le Mali d'une part et d'autre part le Congo. J'ai également rencontré des enfants, certains, des adolescents beaucoup, qui avaient connu la guerre. Soit en la faisant parfois, la guerre du Liberia, la guerre du Sierra Leone, l'immense et horrible guerre civile du Congo, ils avaient été parfois soldats, ils étaient souvent en fuite. Ils étaient souvent visés aussi par les guerriers. C'était une histoire extrêmement compliquée. Voilà pour la présentation de mes lieux de travail, puisque la présentation de ce que je suis a été faite dans des termes que je ne pourrais répéter, ma modestie en souffrirait. Je vais maintenant faire un petit point théorique.
concernant le titre que j'ai donné à cette conférence, qui a été avec beaucoup de gentillesse acceptée par les amis qui m'ont invité. Ce titre comporte la notion de métamorphose. Il faut l'entendre dans sa solidité théorique. Le terme de métamorphose est un terme que Freud utilise pour commenter le travail qu'il a fait avec un immense spécialiste de l'hystérie, qui était Charcot, hein, et pour commenter le travail qu'il a fait avec lui et aussi contre lui. Contre lui, au niveau du débat scientifique. Deux hommes s'estimaient beaucoup, bien sûr. Parce que pour Charcot et pour d'autres, on peut également penser à Pierre Janet, le symptôme était un corps étranger. Tout aurait été très bien, au fond, s'il n'y avait pas ce corps étranger qui est le symptôme. Et ce corps étranger qui est le symptôme, il faut le faire disparaître. Hein ? C'est une théorie, finalement, que pour être soi-même, il faut faire disparaître l'étranger. Cette théorie, aucun psychanalyste, je dis bien aucun psychanalyste, ne peut être d'accord avec ça. Tout l'édifice de la psychanalyse repose sur l'idée que nous avons en nous une partie étrangère à nous-mêmes, mais cette partie étrangère n'est pas une partie morte, n'est pas une partie inerte, c'est une partie qui n'arrête pas de nous donner de ses nouvelles, parce que Freud a appelé les formations de l'inconscient, le rêve, le mot d'esprit, le lapsus, et puis aussi le symptôme. Et en somme, pour Freud, il ne s'agit pas de supprimer le symptôme, mais de le changer, de le modifier, de modifier la relation qu'on a avec le symptôme. Le travail de la psychanalyse, c'est un travail de métamorphose de cet étranger qu'est l'inconscient, qui nous donne de ses nouvelles par le biais du symptôme. Alors bien sûr, il faut faire en sorte qu'on souffre moins de ces symptômes, mais il faut aussi les comprendre. Il faut aussi comprendre que c'est une façon que nous avons de nous parler à nous-mêmes. C'est une façon que nous avons d'avoir une mémoire alors qu'on n'a pas de souvenir. Donc le travail analytique est certainement un travail de métamorphose de l'étranger. Ça, c'est le point théorique. Ce point théorique a une incidence politique. Nous sommes dans un monde, et j'entends vraiment que mes amis brésiliens souffrent de la situation politique actuelle, mais ont aussi beaucoup de courage et ont aussi envie que ça ne dure pas et peut-être que ça va ne pas durer. Voilà, l'espoir n'est pas un mauvais mot. L'espoir, si c'est marié avec le courage, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Nous devons garder la flamme de l'espoir. Nous sommes des seniors. Si nous ne gardons pas la flamme de l'espoir, les jeunes ne pourront pas nous garder avec attente et avec paix. Nous devons garder ce mariage entre l'espoir et le courage. Le monde, actuellement, est passionné. Il n'est pas passionnant, mais il est passionné. Lacan disait qu'il y a trois passions. Il a trouvé ça un peu dans le bouddhisme. Bon, d'accord. Mais il dit qu'il y avait trois passions. On les connaît, les passions. On en connaît deux. On les connaît très bien. L'amour. Bon, vous connaissez l'amour. Enfin, écoutez, alors si vous ne le connaissez pas encore, il faut que ça vous arrive. Bon. La haine, ça, oui, on connaît, hein, c'est toujours les autres qui ont de la haine, nous pas. Nous, on est gentils. Bon, ça, c'est des bêtises. La haine, c'est aussi ce qui permet de construire un peu d'identité, mais
Il en faut un peu, mais pas beaucoup. Quoi. Voilà. Mais la troisième passion dont parle Lacan, elle est peut-être très intéressante parce qu'elle est absolument actuelle. Cette passion, c'est la méconnaissance. C'est le fait de ne pas vouloir savoir. Hein? Et c'est beaucoup plus facile. Vous avez raison. C'est beaucoup plus facile de croire des fake news que de travailler pour se faire une opinion. C'est beaucoup plus facile de croire n'importe quoi. C'est beaucoup plus facile de faire l'imbécile sur Facebook que de parler à son voisin. C'est beaucoup plus facile. Mais cette facilité, c'est une passion. C'est une passion de ne pas vouloir savoir. Et je vous assure que ça ne rend pas très, très, très intelligent. Ça ne rend pas très intelligent. Mais notre époque, elle ne veut peut-être rien savoir de l'étranger. Et les sciences humaines, ce sont des sciences. Mais elles ne sont pas sur un petit nuage. Elles ne sont pas dans les airs. Ce n'est pas comme ça. Coupé du monde, c'est pas coupé de la vie de tous les jours. Parce que l'anthropologie d'une part, et d'autre part la psychanalyse, et bien sûr d'autres sciences que je connais moi, je parle de ce que je crois connaître un peu. La sociologie, bien sûr, nous explique que le monde est complexe. Que nous devons résister à notre passion de la méconnaissance. Ça nous explique cela. Alors voyons maintenant l'incidence du politique. Et considérons un moment ce mot à la fois nécessaire mais dangereux d'identité. Nous avons tous plusieurs niveaux d'identité. Nous n'avons pas qu'un seul niveau d'identité. Même très paradoxalement, je dirais qu'en tant que psychanalyste, quand je vois quelqu'un qui vient pour la première fois, bien sûr je peux reconnaître à son allure que c'est un homme ou que c'est une femme ou que c'est, je ne sais pas. Bon. Mais psychiquement, je n'en sais rien. Psychiquement, je n'en sais rien. Nous avons tous plusieurs niveaux d'identité. Et quand, en tant que, j'ai une curiosité anthropologique, je reçois dans mon cabinet à Paris des patients africains, je reçois dans mon cabinet à Paris des patients qui viennent de Chine et une patiente qui vient du Japon, bien sûr que j'ai une curiosité, bien sûr, et qu'il m'arrive de demander, parce que c'est utile aussi dans le travail que je fais, mais chez vous, quand quelqu'un vient au monde, comment on l'accueille, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr que ça m'intéresse. Et chez vous, les rêves, comment on les travaille? Bien sûr que ça m'intéresse. Mais je ne prends personne pour un spécimen japonais, chinois ou africain. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas des spécimens culturels comme ça, compacts. Ça n'existe pas. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je peux peut-être se parler comme ça. J'ai dans les gens qui viennent me voir dans mon cabinet de psychanalyste. Oui, j'ai aussi un cabinet de psychanalyste à Paris. J'ai un patient africain. Il est le nom de son peuple. Un peuple très qui a fait de grandes choses culturellement. Hein. Il est Bambara. Voilà. Bon. Et il est reconnu dans sa communauté pour avoir des talents de conteur, de chanteur, coutumier, qu'on appelle un griot. Évidemment, je lui dis qu'un cabinet de psychanalyste, c'est bien pour parler des rêves. Et il m'explique, parler des rêves, on n'en parle pas comme ça. Il faut préparer un peu les choses. Et que chez lui, on prépare les choses.
et qu'il a des clés symboliques d'interprétation des rêves. Alors il a mis en place un petit... Il m'a proposé quelque chose, voilà. Il m'a proposé quelque chose, puisque les rêves m'intéressent, moi, en tant que psychanalyste, et que lui, les rêves l'intéressent. Parce que quand on est griot, chanteur, conteur, coutumier, alors on est intéressé par les rêves, ça fait partie du travail. Alors il m'a proposé cela. Il dit, voilà, si j'ai un rêve intéressant, eh bien d'abord, je vais appeler mes ancêtres. Parce que quand on rêve aussi de ses ancêtres. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Il m'a fait rêver de mes grands-parents, de ma grand-mère, je ne rêvais plus de ma grand-mère depuis des années. Ah ben lui, au bout de 3 semaines de travail avec lui, ma grand-mère, elle est venue coucou me faire bonjour dans mes rêves, oui. Bon, alors c'est vrai, on rêve un peu des ancêtres. Et alors, je vais parler à mes ancêtres. Puis ensuite, le rêve, ben, je vais essayer de vous raconter comment on fait chez moi au Mali, là. On a des idées. Puis après, on fera comme vous dites. Votre méthode, elle est pas mal. On fera comme vous dites. Je raconterai mon rêve. Je ferai des associations. Et alors, c'est très simple. Parce que quand il arrive et qu'il a un rêve, il se met debout face à moi. Et je me mets debout face à lui. Et il commence à chanter quelque chose pour ses ancêtres. Vous voyez, dans mon cabinet de psychanalyste parisien, j'avais un grand bonhomme bambara. Il est plus grand que moi. Il fait 1m90. Et il se met à chanter, les voisins sont assez étonnés, je dois dire. Mais il se met à chanter vraiment très fort pour les ancêtres. Ça, si, il a beau être à 5000 km, je suis sûr que les ancêtres, ils entendent. Et puis après, il s'assied tranquillement, hein. Pas un type pressé. Pas pressé, lui. Il n'est pas malade, il n'est pas pressé tout le temps. Ah non. Bon, il a des petits problèmes, sinon il n'aurait pas me voir. Mais au moins, il n'est pas malade comme tous les gens qui courent tout le temps, quoi. Et il va tranquille, il s'assied. Et là, il me dit, voilà, chez moi, on prend tel matériel, tel malade. Il dit, ben maintenant, on va faire freudien, il s'allonge sur le divan. Voilà. Donc, vous voyez, ben, je pense qu'un autre patient bambara, il ne ferait pas comme ça. Il ne ferait pas comme ça. Donc, revenons à cette question peut-être sérieuse de l'identité. Dans des contextes d'oppression culturelle, je comprends très bien que l'on puisse tirer, je comprends vraiment, hein, un petit peu d'honneur, un peu d'honneur, un peu de fierté d'être de telle ou telle culture, voire de telle ou telle couleur de peau, voire de telle ou telle langue. Mais on ne peut pas se réduire à un seul trait d'identité. Or, le discours de la méconnaissance, dire « je veux rien savoir de l'autre », est aussi un discours de la méconnaissance de soi-même. « Je ne veux rien savoir de moi ». Bon, je suis majoritaire, donc je veux rien savoir de moi. On veut toujours méconnaître qu'on n'a pas de conflit à l'intérieur de soi. Et donc c'est ça, la volonté de ne pas vouloir entendre l'étranger interne se double d'une certaine volonté cruelle de ne pas donner droit de cité à l'étranger externe. C'est toujours comme ça. Et je pense que, d'une certaine façon, nous savons que cette méconnaissance, cette fois-ci haineuse de l'étranger, est quelque chose qui limite la liberté de tout le monde. Dire ça limite notre propre liberté à reconnaître nos failles, nos difficultés. On pourra toujours, en criant sur l'étranger, croire que notre identité n'est pas fragile, mais notre identité est toujours fragile. Elle est toujours fragile, parce qu'elle est toujours en devenir, parce qu'elle est toujours en construction. C'est pour ça qu'elle est toujours fragile, notre identité. Alors, je dois dire maintenant, pour avancer un peu, parce que là, ce sont des considérations fort générales, bien sûr, que
la psychanalyse a besoin de l'anthropologie. Parce que trop ou très, très souvent, en psychanalyse, on pense que le sujet, c'est vrai en plus, c'est vrai, hein, est structuré par, on va dire, l'épreuve oedipienne. Bon. C'est d'ailleurs la rencontre entre le désir, l'interdit, etc. Mais voilà, il se trouve quand même que très vite, les psychanalystes, au moment de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, n'ont pas eu seulement affaire à des gens qui étaient tranquilles dans la névrose. Ils ont eu affaire à des soldats traumatisés. Et il y a un psychanalyste dont en France, peut-être qu'au Brésil, on en parle plus qu'en France. En France, on en parle scandaleusement pas beaucoup. Mais qui s'appelle Simmel. Simmel, c'est un personnage important dans la vie de Freud. C'est le premier à avoir dirigé une consultation psychanalytique dans un hôpital général. Hein, un hôpital de médecine. Voilà. Et c'est chez lui que Freud, lorsque Freud souffrait beaucoup trop de son cancer de la mâchoire, c'est dans cet hôpital du Schloss Tegel, tel est le nom de l'hôpital, le Schloss Tegel, que Freud allait se reposer. Donc Simmel est un personnage affectivement en tout cas important pour la psychanalyse, mais intellectuellement aussi. Alors comme j'ai fait des recherches sur les psychanalystes sous la première guerre de 14-18, j'ai eu la chance, des fois on tombe sur des choses incroyables en farfouillant, en fouinant dans les bibliothèques, j'ai eu la chance de tomber sur un texte de Simmel écrit peu de temps avant la mort de Freud. Simmel était un juif qui a fui, évidemment, on peut le comprendre, le nazisme, et qui s'est trouvé à travailler au centre de Topeka, dirigé par Karl Meininger. Pour celles et ceux qui connaissent un peu les ponts entre l'anthropologie et la psychanalyse, ce centre pourra vous évoquer quelque chose, parce que c'est dans ce centre que Georges Devreux a suivi son fameux Indien des plaines, là, Jimmy Pickard. Bon. Et dans ce centre, il faisait une petite plaquette d'hommage à Freud. C'était en 1937, Freud allait mourir 2 ans après. Et alors, je suis tombé sur le texte de Simmel, je le trouvais très beau, que lorsqu'il a travaillé avec les soldats traumatisés, il s'est rendu compte de quelque chose qui n'avait jamais été écrit, jamais, dans les écrits de médecine militaire sur les traumatismes de guerre. C'est que ceux qui faisaient ce qui faisait le plus de mal aux soldats blessés n'était pas le danger. Ce n'était pas d'avoir vu leur ami ou leur camarade de combat être blessé ou être tué, qui sont les facteurs déclenchants, généralement, des névroses traumatiques de guerre. Ce qui les rendait mélancoliques, au sens d'une psychose mélancolique acquise, ce sont les termes de Simmel, je ne vais pas là les discuter théoriquement, ce qui donnait ce qu'il appelle lui une folie traumatique, pour la distinguer de la névrose traumatique, c'est que ces soldats avaient l'impression qu'ils avaient été coupés de leur humanité. C'est très important. Ils avaient été coupés de leur humanité parce que la guerre, telle qu'elle était, la guerre de tranchées, la guerre dans la boue, la guerre sans... sans esprit de chevalerie, quoi, ce qui tenait un peu le moral des troupes, eh bien, c'est qu'ils avaient été déshumanisés, qu'ils s'étaient sentis déshumanisés. Eh bien, si vous voulez, et c'est quand même de ça dont je vais parler,
Et vous expliquer pourquoi je dis que nous avons besoin de l'anthropologie, c'est que de plus en plus de gens parmi ceux qui viennent me parler, qui viennent vraiment me parler. Leur souffrance ne peut pas uniquement se loger à un point de vue oedipien, c'est-à-dire les conflits d'identification avec le père ou avec la mère. Leur souffrance provient de cela que leur bâti humain a été mis a été détruit. Voilà. Qu'ils ont eu l'impression d'être exclus de l'humanité, qu'ils ont eu l'impression d'être devenus des monstres. C'est-à-dire que l'exclusion, c'est une réalité grave, c'est une réalité économique grave, très grave. Je connais à Paris des gens qui vivent dans la rue. Alors de temps en temps, ces familles qui vivent dans la rue, on essaye de les mettre dans des hôtels, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et puis il y a les migrants qui sont venus aussi. Donc sous les démarrages d'autoroutes, dans le nord de Paris, dans un endroit qui s'appelle Porte de la Chapelle, vous avez des tentes, et dans ces tentes, il y a des gens qui vivent depuis des années, qui sont là. Bon. Alors, de temps en temps, à la hâte, on met en place des logements, on appelle des foyers, c'est joli, bon, des foyers pour les accueillir. Et c'est ces foyers qui font appel à nous. C'est ces foyers qui savent, par le SAMU, par d'autres associations, qu'importe les noms, je ne vous dirai rien, mais qui savent qu'il y a une équipe avec deux psychiatres, deux travailleurs sociaux, deux psychologues, on fout une part de... qui peut se déplacer pour venir parler avec ces migrants qui souffrent le plus. Bon. Cette équipe psychiatrie précarité, on l'a mis en place il y a 12 années de cela, il y a 12 ans. Eh bien, depuis 3 ans, notre population a changé. Auparavant, c'était les grands clochards de la rue. On les voit toujours. Mais maintenant, nous sommes systématiquement appelés par les foyers de réfugiés qui présentent... c'est des demandes très médicales au début. Difficulté d'alimentation, difficulté de sommeil. Mais il y a une demande de parole bien plus importante. Bien évidemment, quelqu'un qui ne dort pas, qui dort 2 heures par nuit, pendant une semaine, il faut l'aider à dormir. Mais vous savez, les médicaments, c'est bien, ça peut être utile, mais ça marche encore mieux si on parle. Ça marche encore mieux si on parle. Ça, c'est un truc que tous les gens qui travaillent à l'hôpital connaissent. Les patients qu'on dit chroniques, hein. Et on s'en occupe plus, ils sont gentils, on s'en occupe plus, ils sont partis. C'est horrible, on s'en occupe plus. Hein. Les médicaments n'ont aucun effet. Mais vous commencez à parler avec eux. Il faut baisser les doses de médicaments, parce que les médicaments commencent à faire beaucoup d'effets. Donc, ouais, dans ces centres de réfugiés, on demande des médicaments. Mais il s'agit de parler. Alors, parler parfois avec des interprètes. Hein. Moi, je parle un petit peu le patchoun, parce que quand j'étais... Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais avant de faire psy, j'ai fait un peu la route. Et donc, j'ai traversé l'Afghanistan. Donc, je parle un petit peu le patchoun, etc. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui essaie de parler leur langue.
Bon, ça leur fait du bien, parce que moi, j'ai en face de moi des gens qui essayent de parler le français. Alors, forcément, c'est pas uniquement un petit signe de coucou, je parle ta langue, c'est quelque chose comme ça, tiens. On est deux à essayer de se débrouiller à parler la langue de l'autre. Ça crée une petite complicité horizontale, comme ça. Alors, il faut parler. Et c'est très compliqué, parce que si vous voulez, il y a un décalage. C'est presque comme deux fils qui devraient être noués, hein, et puis qui se dénouent, un peu comme un petit nœud borroméen, là où on partirait. Là. Premier décalage, c'est ça. C'est, imaginez, voilà, pour comprendre ce décalage, voilà, imaginez quelqu'un vous dit « Je dois te parler, il faut que je te parle ». Mais ce que je vais te dire est tellement affreux que j'ai peur de te détruire. Voilà. Exactement ça. Ça, c'est des choses que j'ai vues au Mali. Quand les gosses me racontent comment ils ont vu leurs copains être gravement blessés, être laissés comme ça morts au bord de la route sans sépulture, je leur dis, écoute, tu peux pas tout me dire en une fois, il faut en garder un peu pour demain. Voilà, faut en garder un peu pour demain. Et je serai là à telle heure. Bon, évidemment, j'arrive, il n'est pas là, évidemment, mais il n'est pas loin, il voit que je suis arrivé. Puis au bout d'un quart d'heure, il va, écoute, t'es arrivé, donc je peux continuer à te parler. Bon, et la première réaction, c'est, il prend soin de moi, il m'a dit, mais comment tu as supporté que j'ai pu te dire tout ça? Comment tu as pu supporter? Voilà, le gosse, il me dit, voilà... Un lundi, par exemple, peut-être un lundi, j'ai quitté le Sierra Leone à pied, en traînant sur mon dos le corps blessé de mon camarade. Et puis j'ai dû l'abandonner. Et je dis, bah, écoute, on peut parler un peu, demain je reviens. Et quand je reviens, bon, après il fait... Il surveille non seulement que je peux revenir, que je tiens ma parole, mais que je tiens à lui, c'est-à-dire que je vais l'attendre. Pour lui, c'est important. Donc si j'ai rendez-vous à 8h, il est à 8h15. Non, je ne vais pas lui dire. Eh. Non. Et ben, tu vois, je t'ai attendu. Voilà. Et là, il prend soin de moi. Il dit, mais tu as pu dormir avec tout ce que je t'ai raconté? Comment tu... Tu as fait des rêves? Je dis, si j'ai fait un rêve, je peux lui dire. Et oui, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que ton camarade, il allait bien. C'est un rêve. Voilà. Il prend soin de moi. Et bien, c'est pareil avec les réfugiés. Ils ont une très grande envie de parler, mais ils ont peur que ça me détruise. Hein? Donc, ils sont chargés d'une histoire qui leur fait très, très peur. Très peur. Et ils peuvent dire tous, j'ai eu le sentiment d'être un monstre. Or, des fois, je rattrape les choses culturellement. Des fois, je rattrape les choses. Et voilà. C'est à l'hôpital. C'est plus le camp de réfugiés. Je vais aller, le foyer de réfugiés, c'est pas un camp. Qu'est-ce que je réponds? C'est à l'hôpital. Hein, où il y a une Cambodgienne qui dit, je suis un monstre, elle ne mange pas, etc. Elle a 60 ans, la dame. Pas une toute jeune. Je suis un monstre. Je parle avec elle. Je parle français. Et puis, elle me dit, je ne veux pas parler de nourriture. Je lui dis, ça tombe bien, moi non plus. Pas parler de nourriture. Il y a des gens qui s'occupent de votre anorexie. Moi, je ne sais même pas si vous êtes anorexique. Il y a des gens qui s'en occupent. Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Parlez du fait que vous me dites que vous êtes un monstre. Et elle me raconte que, alors, je reprends un peu le fil des générations, que c'est à l'époque de Pol Pot, bon, on doit avoir 50 ans, peut-être pas 60, ses grands-parents, ils l'ont eu très jeune, hein, enfin, qui ont eu la maman très jeune et la maman l'a eu elle très jeune, ce qui fait que ça tient au niveau des dates. Ses grands-parents... avaient été mis dans un camp avec leur fille. Bon. Et cette fille, elle est morte. Petite fille, toute petite, quelques mois. Elle est morte de faim.
et que les grands-parents auraient dit c'est un monstre qui est mort. Parce que... Et je lui demande si dans sa famille il y a d'autres personnes qui sont mortes dans les cœurs. Il dit oui, dans la famille, beaucoup de gens sont morts de faim. Alors je lui dis deux choses. Première chose, je lui dis, écoutez, je ne sais pas si vous êtes anorexique. Ce que je sais, c'est que dans votre famille, beaucoup de gens sont morts de faim. Premier point. Alors, 3 heures après, elle était en train de demander un sandwich à l'équipe infirmière. Et deuxième chose que je lui ai dit, c'est vos grands-parents ont dit du petit bébé qu'il était un monstre. Je dis, mais vous savez, madame, au Cambodge, je connais un peu le Cambodge, quand on ne veut pas que les mauvais esprits prennent possession d'un enfant qui meurt très jeune, on dit que cet enfant est un monstre. Comme ça, il n'intéresse pas les mauvais esprits. Je disais, il est merveilleux cet enfant, les mauvais génies iraient le capturer, parce que c'est bon de capturer. Mais un monstre, on n'en veut pas. Et donc je lui dis, peut-être que ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que je n'étais pas là. Mais je lui dis, c'est possible. Et je vous demande de penser que c'est possible. Parce qu'à ce moment-là, dire de l'enfant que c'est un monstre, c'est dire qu'on l'aime et qu'on veut qu'il ait une mort tranquille et qu'il ne soit pas dévoré par les mauvais esprits. Parce que les mauvais esprits dévorent. Et vous, vous pouvez très bien manger sans être pour autant un mauvais esprit. Bon. Alors, des fois, on arrive à trouver des trucs. Mais des fois, non. Des fois, non. Des fois, c'est long. C'est très, très long. Cet étranger, vous comprenez, vous dire il est étranger parce qu'il est afghan, il est étranger parce qu'il est érythréen, il est étranger parce qu'il vient d'ailleurs, mais non, on n'a pas affaire à l'étranger exotique, on a affaire à l'étranger déshumanisé. C'est là où l'anthropologie doit dire coucou à la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est qui nous institue? C'est le problème fondamental de qu'est-ce qui institue l'humain, l'être parlant. Alors on a des réponses. Ce qui institue l'être parlant, c'est qu'il peut trouver quelqu'un qui parle. Vous savez, quand on... Là, je me suis intéressé à une question très simple. C'est quoi une société minimale? C'est quoi l'état minimal d'une société? Je ne parle pas de la horde de Freud. La horde de Freud, c'est... Vous imaginez le truc, le père primitif, les femmes d'un côté... Les garçons qui n'en peuvent plus, qui disent un beau jour, on va le tuer, ça va être bien, on va inventer la société, c'est génial. Bon, c'est extraordinaire, je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait un film avec ça. Dire, on a un scénario, là. Spielberg, réveille-toi, on a un scénar. Bon, mais c'est autre chose. C'est, dès que vous pouvez confier votre peine à quelqu'un, vous avez inventé une société humaine minimale. Vous avez inventé une communauté humaine. Et ça, je veux dire, on a beau, voilà, être de mauvaise humeur, être un peu triste, découragé, un peu fatigué. Bon, on a ça qui nous soutient. Mais il y a des gens qui ont tellement été vidés, comme ça, l'humanité n'a pas voulu d'eux, que cette communauté humaine minimale, il faut qu'ils la retressent. Il faut qu'ils la retrouvent. Et ça leur fait peur. Et nous aussi, ça nous fait peur. Bon, je ne m'avance pas vers ces hommes ou vers ces femmes. Moi, j'ai peur de rien. Non. D'abord, bon, il faut vraiment être con pour avoir peur de rien. Mais de dire, mais oui, ce que vous dites, oui, je comprends que ça fasse mal. Mais moi, dans mon idée, moi je travaille... Parce que je pense que le silence fait plus mal encore. C'est pas que la parole fait du bien, la parole peut faire mal. Mais le silence, ça fait encore plus de mal. Donc on va choisir le moindre mal, parce que le moindre mal, on peut le partager. Voilà. Le silence, on ne peut pas le partager. On ne peut pas. On peut partager le calme. On peut partager la pause entre deux mots. On peut partager des moments où on se tait, parce qu'on est dans l'accueil de l'intensité corporelle de l'autre. Mais le silence qui meurtrit, le silence qui condamne à mort la parole, on ne peut pas partager. La parole qui fait un peu mal, on peut la partager. Et alors, mais je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 5 minutes, ok, d'accord. Alors, 10 minutes, là, 10 minutes, je tiens. 5 minutes, ça va être un peu... Mais 10 minutes, ça va être bon. Et voilà.
Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ces réfugiés, ils ont toujours avec eux un objet. Toujours. Un objet. Un objet. Et on pourrait dire que c'est un objet culturel. Bon. Ça peut être quelques pages du Coran. Ça peut être un petit chapeau que portent les Afghans. Ça peut être, comme je l'ai vu, et je terminerai là-dessus, un bout de tissu. Mais ces objets, c'est autre chose. Parce que ces objets ont toujours été prélevés sur une scène de catastrophe. Ainsi, ce patient qui vient de l'Afghanistan, de la partie frontalière de l'Afghanistan avec le Pakistan, au sud-est du pays. Donc, il a avec lui un petit chapeau. C'est pas le sien. C'est celui d'un de ses camarades. Et là, l'histoire commence. Elle commence ainsi. Qu'un soir, avec ses amis, ils étaient partis. Les Afghans, on les voit pas trop comme ça ici, mais bon. C'est quand même des poètes. Il faut pas trop le dire, mais c'est aussi des sacrés buveurs. Et ils aiment se rassembler, dire de la poésie, boire du vin, bon, pas mal, etc. Et comme tous les hommes, ils aiment parler des femmes. Mais ils en parlent avec de la poésie, qui est quand même pas toujours le cas. Et ce soir-là, il a une impulsion, il doit partir. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas pourquoi, il doit partir. Et quand il revient, une heure après, deux heures après, ils sont tous morts. Les talibans, entendant qu'on se réunissait, qu'on disait du bien des femmes, ça, ils n'aiment pas les talibans. Si, ils aiment bien qu'on dise du bien de leur mère, mais ils n'aiment pas qu'on dise du bien des femmes. Ils n'aiment pas qu'on boive. Ils n'aiment pas qu'on chante, ils n'aiment pas qu'on danse entre hommes, ils n'aiment pas qu'on lise la... Ils les ont tous tués. Et lui, il ramasse le petit bonnet de son camarade, et puis il essaye de fuir, il fait un parcours insensé. Donc là aussi, il faut demander aux gens, non pas par où tu es passé, mais... Après, je ne demande pas par quelle ville vous êtes passé. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez entendu comme langue jusqu'à avant d'arriver à Paris? Vous en avez entendu des langues? En quelle langue vous êtes mis à rêver, etc. Voilà. Puis après, on peut parler du trajet. Mais il faut déjà aller l'intime. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes passé par la Turquie? Mais à quel moment vous avez dormi autrement? À quel moment vous avez rêvé autrement? À quel moment vous avez chanté autrement? Ah, c'était dans ce coin-là. Ce coin-là, il s'appelle comment? Et après, toujours comme ça. Bon, l'intime, la chair, le souffle, voilà. Et il ne parle qu'avec cet objet entre les mains. Il ne parle qu'avec cet objet. Alors, c'est un objet culturel, oui. C'est un chapeau afghan. C'est pas un chapeau breton, c'est pas un chapeau brésilien, c'est pas un chapeau mexicain. Ouais, bon, écoutez, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que ce qu'on appelle les objets culturels, il peut y avoir chez nous, dans la crucifix, bon, il y avoir ou pas avoir, ça ne regarde pas, et qu'on peut trouver dans beaucoup de maisons, tout partout dans le monde, ce sont des objets qui renvoient à la scène du sacrifice. C'est une scène qui institue l'interdit du meurtre. Le sacrifice institue l'interdit du meurtre. Ça, ces objets, ne sont pas des objets qui renvoient à la scène du sacrifice, ce sont des objets qui renvoient à la scène du meurtre, et qui renvoie à quelque chose d'irréel. C'était tellement terrible, c'était à la fois le plus vrai et le plus incroyable. Et cet objet, c'est leur seul témoin. Et regardez, c'est vrai, regardez là, ce chapeau. Mais c'est comme un autre qui me présente son gilet de sauvetage sur lequel il a écrit son nom. Il a écrit son nom, il était sur un bateau, comme les bateaux qui errent en Méditerranée, qui viennent des bateaux fantômes, hein, qu'on n'accueille pas dans les pays riches, hein, pour se sentir chez soi, tranquille. Tu parles,
Comment être tranquille quand les gens meurent en mer, au mépris des lois internationales de la navigation, au mépris des lois internationales. Comment être tranquille? Il avait écrit sur son jet de sauvetage. Il ne signait pas un tableau. Vous, si vous faites un tableau, vous allez le signer, ben c'est normal, c'est vous qui l'avez fait, c'est pas le voisin, bon. Mais c'est son nom qu'il sauvait. Quand vous signez un tableau, c'est pas votre nom que vous sauvez, vous dites c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi, regardez, c'est moi. Bon, vous avez raison. Si je ne savais pas, je mettrais mon nom. Bon. Mais c'est pas pareil. Tomber son nom sur un gilet de sauvetage, c'est qu'on sauve son nom, c'est-à-dire sa dignité d'avoir été dans une lignée, sa dignité d'avoir eu des ancêtres. C'est-à-dire qu'on ne fait pas périr la lignée avec soi. Donc tout c'est... j'arrête là. Mais si vous voulez, toute cette clinique avec les réfugiés, c'est une clinique au fond qui nous ramène à ce qu'il y a de plus radical dans l'humanité. Eh bien, en dépit de tout, c'est une chance de se reconstruire dans la parole. Et c'est peut-être, quand on est un monstre, une bonne chose de parler avec un étranger, parce qu'on se rend compte que s'il y a du semblable avec l'étranger, alors c'est que notre humanité, elle tient quand même debout. Voilà. Merci de votre attention.